La maman, bonjour. Bonjour, mon fils. Le Dieu de papa Florian a fait quelque chose pour toi. Oui. Tu as deux témoignages. Oui. Allons-y pour les témoignages. Je te remercie, mon fils. Tu sais quoi? Moi, je n'ai jamais entendu parler de Dieu de papa Florian. Ça, je n'ai jamais entendu. Si j'ai dit j'ai entendu, j'ai menti. Je suis de la maison de Dieu. Un jour, dans le quartier, je passais et puis il y a un jeune que je connais bien qui m'a interpellé. Il dit, ah, maman, ça va? Il dit, mais ça fait longtemps. Il dit, oui. Que j'étais vraiment malade, j'ai failli mourir. Mais mes pieds sont en fait tous mon jetien sort. Que c'est Dieu de papa Florian qui m'a guéri. Il dit voilà. Vous commencez encore avec vos faux dieux là. Qui est Dieu de papa Florian? Hein? On dit Dieu de Jacob, d'Abel, d'Isaac. Tu as déjà parlé de Dieu de papa Florian. Hein? Moi, lui là, je ne le connais pas. On va parler d'autres choses. Il dit ce que tu dis, c'est la vérité, tanti. Je demande pardon. Mais lui là, je dis celui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. J'ai dit, ok. On a causé quand il dit, bon, comme tu ne le crois pas, voici son nul. Prends, tu vas utiliser. Il dit, moi, je ne prends pas des conneries comme ça. Il dit, bon, si tu ne prends pas, prends, tu vas garder chez toi. Et c'est comme ça, j'ai pris cette huile et puis j'ai déposé chez moi. J'ai bien utilisé pendant une ou deux semaines. Après la nuit, je dors. Voici un esprit qui vient me dire, l'huile de Dieu de Père Florian, là, utilise. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça? Je me réveille. Je ne suis pas satisfaite. Je m'ai redormie encore et c'est la même parole qui vient. J'ai couru, je vais voir le jeune, on dit qu'il allait au travail. Le soir, je l'appelle, il dit, mais ton nul que tu as donné là, tu dis c'est Dieu de pas faire, il dit oui. Il dit, ah, j'ai pas utilisé, mais vraiment, voici ce que j'ai eu en soi. Il dit, je t'ai parlé, non, on va utiliser. La nuit, je finis de me laver, le soir, j'utilise. Matin, c'est comme s'ils ont enlevé un gros fardeau sur ma tête tellement lourde. Je suis devenue légère. Au drame, je chantais tellement contente. C'est moi maintenant qui prends le nom de Dieu de papa Florian pour me promener dans le quartier. Vraiment, c'est l'homme de Dieu. Son nul là, ça travaille. Non, tu avais négligé. J'avais négligé. J'ai dit, j'étais là-bas. J'ai dit quoi? Ça, c'est des conneries. J'ai fait quoi avec tout ça là? Hein? Dieu de papa Florian, ça là, ça est dans quelle Bible? Papa Florian. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Mais quand j'ai utilisé huile là, j'ai vu vraiment que je lui demande pardon. J'ai trop parlé mal sur lui. Aujourd'hui, là, je reconnais que c'est l'homme de Dieu. Avant que tu utilises le sang de Jésus, il y a quelqu'un qui est venu te parler en son. Il y a quelqu'un qui est venu me parler en son pour dire à que... À deux reprises. À deux reprises. J'ai vu que vraiment, ça là, le Dieu ne peut pas me dire d'utiliser ça. D'accord. Que c'est le Dieu de papa Florian. Et quand j'ai utilisé ça, vraiment, tu ça m'a fait vraiment du bien. Je me sens à l'aise. Je suis vraiment libéré. Amen. Voilà. Ok. Pour le deuxième témoignage. Maintenant, pour le deuxième témoignage... Je partais, je suis allée, comme il a dit, on n'a qu'à prendre un peu pour mettre dans le sac. Souvent je prends, souvent je ne prends pas. Ce jour-là, je partais à l'église et l'esprit est venu me dire que prends-lui là, mets dans ton sac, tu as parti. En fait, d'habitude, il ne me dit pas, hein, mais ce jour-là, il a tellement insisté que j'ai pris lui et puis j'ai mis dans mon sac. Et quand on est parti, on dit, on n'a qu'à aller rendre visite à un frère. On va voir le frère. Il rentre, il sort, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Et puis je lui demande, qu'est-ce que tu as dit? Mon fils est malade, ça ne va pas du tout. Et que son corps chauffe hier, depuis hier, il ne mange pas. Dès qu'il boit son lieu, il vomit. Et c'est moi, je m'occupais de ça. J'ai dit, ça va aller. Maintenant, l'esprit encore vient me dire que, qui est dans ton sac, là, tu ne peux pas prendre pour utiliser. Le monsieur dit que son enfant est malade. Et puis tu as une suite que tu n'utilises pas. Maintenant, quand c'est venu dans ma tête, maintenant, je l'appelle, il dit que ton enfant, là, il est couché. Il dit oui. Il dit, il faut le faire venir. Il dit, pour faire quoi? J'ai dit, non, pour le masser. Il dit, non, non, moi, je l'ai déjà massé, ça va. Il dit, non, non, non. Il faut l'envoyer au salon, moi, je vais le masser. Et c'est dans ça que j'ai enlevé l'huile là. J'ai soulevé l'huile là, j'ai fait ça. J'ai dit, Dieu de papa Florian, c'est ton huile que je vais utiliser. Ça, je sais que à ton moment là, tu es là. Quand je vais utiliser cette huile là, je sais que tu vas guérir cet enfant. Et j'ai pris l'huile là, je l'ai massé, j'ai mis un peu de l'huile puis l'a bu. Voici ce qui va se passer. Qu'il a bu. J'ai dit, il va avoir chaud et puis il va dormir un peu. L'enfant s'est endormi. Après, il dit qu'il va se coucher dans la chambre. Maintenant, nous, on est en train de prier, comme ça, on l'a oublié, on est en train de prier. On ne sait pas à quel moment l'enfant est sorti au dehors. Et il sort dehors. L'enfant qui ne pouvait même pas marcher là, il s'est levé à l'heure, surtout dehors, pour aller crier, dire, papa, 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 il y a une femme qui est tombée là-bas. Elle est tombée là-bas.
Et puis maintenant, la femme, il y a une femme qui est à côté de moi qui dit, attends, c'est pas l'enfant que tu as donné eu là, qui se lève encore, deux il a dit, il se lève, et puis il s'est appelé son père pour dire, il y a une femme qui est tombée là-bas. Même là, vraiment, ça a étonné tout le monde. Parce que quelqu'un qui était malade. Quelqu'un qui était malade, qui était couché dans la maison, qui seulement on ne l'a même pas vu sortir. Hein. Et puis là, il s'assoit dehors. Et c'est lui qui s'est appelé son père pour dire qu'il y a une femme qui est tombée là-bas, parce que c'est une cour commune, qui est tombée. Et il vient appeler son père pour dire que tant il est tombé. Son père dit, attends, toi, à quel moment tu es sorti? À quel moment tu as pris ta guérison? À quel moment tu as pris ta guérison? À quel moment tu es sorti? Toi, tu n'as pas dit que tu ne pouvais pas manger, tu ne pouvais pas te lever. À quel moment? Il dit, papa, je suis guéri. Tout ne ressemble qu'à 17 ans, l'enfant. C'est lui-même qui a pris les chaises encore pour aller déposer où il y a ma passée dit d'aller prendre un pot. C'est lui-même qui a pris les chaises et puis il a déposé et puis il a allé prendre un pot. L'enfant avait 12 ans comme ça. Donc, il se promenait comme ça. Son père venait me remercier. Il dit non, non, non. C'est Dieu de Papa Florian. C'est Dieu faut remercier. À travers le sang de Jésus. À travers le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, on n'a qu'à passer au sérieux. Moi, là, même, je promets ça partout où je vais. Si tu as le sang de Jésus. J'ai guéri, mais une femme même là qui était malade, même, on l'a amenée même d'Abigain ici là. Elle ne pouvait même pas se lever aussi. J'ai pris ça aujourd'hui là. Elle est rentrée. Donc, vraiment, le sang de Jésus, on n'a qu'à passer au sérieux. Dieu Papa Florian. Il te demande pardon. Moi, là, je dis tout d'ici toi. Je demande pardon. Maintenant, c'est qu'on sent de Jésus, et puis ils n'ont rien vu l'enfant. Et puis ils n'ont rien dit. Ah, ils n'ont rien vu là. Moi, je leur dis, ça dépend de leur prière. Okay. Ça dépend de leur prière. Qu'ils prennent ça au sérieux. Yeah. Avant de prier, ils vont dire qu'il faut maigrir, il faut dire Dieu ne peut pas faire rien. Cette huile que tu m'as donnée sur le sang de Jésus, ça va me guérir. Et ça va faire. Et okay. Dieu même, il va faire. Mais s'il y a quelque chose dans ton cœur, ah, ça là, ça ne peut rien te faire. Mais si tu sais que vraiment, ton cœur est blanc. Et que ce que tu dis là, en tout cas, ça s'est passé. Okay. C'est comme ça. Vraiment, grand témoignage. Oui. Merci, merci encore. Merci. Que le Dieu de Papa Franck continue de vous donner encore des témoignages. Merci.